Sims, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis dans la vidéo? J'ai fait pas mal de choses, en fait. J'ai fait pas mal de choses. Et donc, voilà, j'ai fait pas mal de choses. J'ai tout vous les montrer aujourd'hui. Et là, j'ai la maison comme ça, là, il faut que je rajoute un Sims. Mais voilà, ça va être simple. Et donc, du coup, on va y aller tout de suite dans cette belle maison. On va rajouter un Sims, du coup. Moi, je veux que ça soit un garçon, donc on y va. Let's go! Alors, du coup, moi, je veux que ça soit un garçon, j'avais dit. Voilà. Alors, maintenant, il va s'appeler. Fred. Ok. Fred. Comme ça. Excusez-moi pour les bruits de fond. Fred Lomi. Thorn. Lomi Thorn. Fred Lomi Thorn. Après, il va avoir la tête. Il va être blanc. Très blanc. Personnalité, il va être. Mais ça me saoule les bugs. Donc du coup, est-ce que ça recommence? Donc du coup, que ça recommence ou pas? Je veux le savoir. Hein. Mais il n'y a pas besoin de ça. Pourquoi j'ai eu ça? Donc du coup, mon Sims, il n'a pas du tout été enregistré. Génial. Vraiment, j'ai... Donc du coup... Non, c'est un garçon, j'ai dit. Donc Fred. Fred. Alors pas comme ça. Fred. Lami. Dork. Voilà. Après il va avoir la peau très blanche. Il va être un télo. Il va avoir des cheveux. Comme ça. Cheveux blonds ou cheveux noirs? Cheveux... comment on pourrait le mettre? Je sais pas trop comment le mettre. Une belle coupe. Voilà, une petite coupe comme ça noire, ça sera très bien. Chapeau, on s'en fout. Après, comme haut, du coup, on va prendre une petite chemise blanche. Non, pas blanche parce que ça fait pas très joli en fait. Donc, du coup, on va plutôt prendre une chemise rouge. Chemise rouge. Voilà. Comme pantalon, on va prendre un petit jean gris. Très bien. Et comme chaussure, on va prendre des petites chaussures noires de qualité. Pour la tête, on est bien. Par contre, pour les yeux, on va prendre des yeux bleu ou yeux noirs. Des yeux noirs, ça sera beaucoup mieux. Après, bah c'est bon. C'est bon, on a la coiffure de ce monsieur qui est très bien. Fred la Minorque est invité dans sa maison. Donc voilà. Donc hier, Fred la Minorque, il va être scientifique. Est-ce que scientifique c'est un peu? Ça coûte. Scientifique 1060, ça va. On y va, let's go. Très bien. Ça je m'en fous. Salut, c'est cool. Bon, alors maintenant. Donc, regardez, avant, je vais vous montrer un petit peu la maison. Parce que j'ai un petit peu changé, tu vois. J'ai rajouté deux chambres. Donc là, ce sera la chambre de Natou. Et là, c'est la chambre de Cyprien. Ouais, j'avais envie de mettre des petits hommes d'enfants comme ça. Pour l'instant, il n'a pas de femme, mais il en rencontrera bien une. Puis voilà. Donc, il va aller travailler, ça me fera des sous. Allez. Voilà. Scientifique, c'est parfait. Donc, du coup, les amis, après, on va aller voir l'adolescent. Elle, par exemple, elle est chez elle. Il faut qu'elle se lave avant que son copain arrive. Alors, son copain, il est où? Il est... ici. Parfait. Donc, alors...
Eux, ils vont tous les deux draguer. Donc ouais, j'ai plus beaucoup de tout. Parce que j'ai tout misé sur... Sur ma maison. Donc du coup, j'ai plus beaucoup de tout. Je vais tout acheter. Mais les amis, dans la prochaine vidéo, je pense que ça sera bon. Donc là, elle est encore en train de travailler. Oui, il lui reste une heure. Okay. Donc on va aller voir les deux adolescents. Les adolescents, du coup. Lui, là... Je sais pas, j'ai pas trop envie qu'il devienne un ado tout de suite. Donc du coup, ce qui veut, je vais le faire travailler un petit peu. Alors, il va réviser ses cours. Son père qui est là, c'est bien ça. Hop, donc du coup, il va réviser quoi? Elle, non, pas elle, je voulais pas aller sur elle. Je voulais voir les adolescents, moi, les deux adolescents là, qui ont fini de travailler. Bien. C'était eux que je voulais. Alors, eux deux. Donc lui, il va... Il va, je sais pas quoi faire. Je sais pas ce qu'il va faire, moi. Donc lui, il va... Il va regarder la télé. Voilà, regarder la télé dans sa petite chambre. Et pareil pour la fille. Donc voilà. Bah, regarder un film. Parfait. Hop, c'est bien. Donc après tout ça, regardez. Oui, 26 sur 26. Donc là, on aura un nouveau film, je pense, après. Du coup, on a quand même 16 outils, hein. C'est quand même pas mal, moi je trouve. Moi je trouve que c'est quand même pas mal. Donc, du coup, on va voir ce qu'on peut acheter avec autant d'outils là. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut acheter avec autant d'outils? Attends, mais je veux des maisons. Non, mais je t'assure, je veux voir si on peut pas construire des maisons avec autant d'outils. On va voir ça. Est-ce que par exemple, dans cette maison, est-ce qu'on peut. On peut acheter un truc avec 16 utiles. Le sanctuaire coûte 11. Et le sombre secret coûte 12. Et le paradis des geeks coûte 16. Mais c'est cool. Je vais voir le sombre secret comment c'est. Moi j'achète une maison sombre secret. En plus, ouais, c'est stylé. Je pourrais la réaménager. Ou le paradis. Non, ça coûte pas très cher. Ça coûte que 12. Ça coûte 1 jour et 12 heures. Vas-y, on la construit, mec. Ça vaut le coup. Ouais. En fait, on a trop de maisons, là. Là, quand on va passer niveau 36, là, il va falloir remplir toutes les maisons. Toutes les maisons. Excusez-moi. Quand on va là, on va faire une fille. Tu vois, qui serait dans cette maison-là. Comme ça, sera bon. Ok, alors après... bah voilà, les amis, pour cette vidéo. Si t'as plu, tu mets un gros like et tu t'abonnes. Et puis voilà. Et puis tu peux partager cette vidéo à tous tes potes et la chaîne aussi. Bye.